En 2008, à travers l'initiative de deux volontaires de Inaltro Mondo, on a pu créer une petite bibliothèque dans mon école. Les 100 premiers livres sont arrivés avec les participants du cours de vacances du mois d'août. Au début, on les a catalogués à la main et placés dans une armoire simple. En 2009, on a dû acheter une vraie bibliothèque pour accueillir autres livres. Ensuite, l'école s'est équipée d'une salle de lecture pour les élèves et les enseignants. Avec le besoin croissant de salles de classe, cet espace a disparu. Et en 2011, la bibliothèque a été transférée dans un établissement séparé et a été ouverte au public. La bibliothèque est ouverte 7 jours sur 7 et compte environ 500 abonnés et plus de 2500 volumes, dont une grande partie de livres pour enfants. La majorité des lecteurs, ce sont des étudiants universitaires ou des élèves d'école. Au fait, nous avons signé des accords avec une douzaine d'écoles du quartier pour encourager la lecture, organiser des visites guidées, des concours de lecture, d'orthographe et de dictée. Depuis son ouverture, la bibliothèque a accueilli de nombreuses conférences et débats, ainsi que des présentations de livres d'auteurs maliens. Tous les services sont entièrement gratuits et comprennent la recherche et la fourniture des documents. Une page Facebook avec des nouvelles du monde de l'édition et des thèmes sociopolitiques actuels, ainsi que la mise à disposition de la salle de lecture aux associations des jeunes du quartier. La bibliothèque Imani Silo est importante car elle contribue beaucoup à la formation des jeunes, tels que par exemple, quotidiennement, nous venons débattre ici sur des thèmes nationaux ou internationaux. Toujours pour rapprocher la jeunesse au livre, un espace jeu a été créé dans lequel des activités didactiques, sportives et de loisirs sont alternées à la lecture. Grâce à la présence constante des volontaires de Inaltro Mondo, la bibliothèque organise chaque année dans mon établissement avec les élèves des activités ludico-didactiques et des sorties culturelles. En plus, la bibliothèque offre des cours d'anglais, d'italien et d'allemand en groupe ou des leçons individuelles. Depuis le premier inventaire manuel, la bibliothèque dispose d'un catalogue électronique qui nous permet de classer les livres possédés avec les systèmes d'Herveil. On a aussi une imprimante, trois ordinateurs portables et un Kindle pour la consultation de livres électroniques. Il y a plusieurs façons d'aider notre bibliothèque. Ad esempio, con una donazione in denaro. Con 30 euro c'è possibile abbonarci ad un giornale locale. 50 euro sono già sufficienti per organizzare la presentazione di un libro da parte di un autore maliano. Con 100 euro possiamo comprare le ultime uscite dell'editoria maliana. Cifre superiori invece possono contribuire alle spese di gestione, affitto, salario, utenze e via dicendo. Ovviamente si accettano anche donazioni in materiale. Eccoci nel reparto lingua straniera della nostra biblioteca. Abbiamo bisogno di testi scolastici o letteratura in francese, inglese, italiano e tedesco. Inoltre, cancelleria, carta, penne, matite, tutto il materiale d'ufficio per i nostri concorsi di dettato, di grammatica e laboratori artistici. Per avvicinare i bambini più piccoli al mondo della lettura, all'interno della biblioteca è stato creato uno spazio ludico-ricreativo. Per questo spazio abbiamo bisogno di libri illustrati per bambini, dai 3 anni in su,
e tanto materiale come giochi didattici come lavagnette magnetiche con lettere e numeri oppure giochi sia in francese che in inglese che in italiano con lettere come Scarabeo ad esempio oppure marionette per animare le storie, tutto per sviluppare il loro linguaggio e il loro lessico. Per i bambini che frequentano regolarmente la nostra biblioteca offriamo anche in alternanza la lettura delle attività sportive. Quindi ci possono servire anche palloni da volleyball, da calcio, da basket, ma anche pettorine, calzoncini, insomma tutto quello che concerne lo sport, anche medaglie e coppe per le competizioni.